La densité carcérale, depuis 2019, a battu deux records, en passant entre les deux par une période de forte baisse liée à la crise sanitaire. On est passé de 72 000 au printemps 2020 à 60 000 quelques mois plus tard, pour revenir aujourd'hui à 72 000, c'est-à-dire au chiffre duquel on était parti en 2020. La situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les prisons, donc avec plus de 72 000 détenus, a pour effet de saturer l'ensemble des capacités carcérales, c'est-à-dire de saturer notamment toutes les questions, tous les sujets qui favorisent la réinsertion. Il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas assez d'accès à l'éducation, il n'y a pas assez d'accès aux soins et les services pénitentiaires d'insertion et de probation manquent de temps et de moyens pour préparer la réinsertion des détenus. Pour réduire durablement le recours à la détention, je pense qu'il serait nécessaire de mettre en place dans la loi une régulation carcérale, c'est-à-dire une pratique qui impose localement la tenue de réunions sous l'autorité de l'autorité judiciaire pour limiter le nombre de détenus, soit en prononçant des libérations anticipées, soit en reportant des incarcérations, de manière à garder une population carcérale à un niveau acceptable, c'est-à-dire à un niveau qui peut être géré par l'administration pénitentiaire dans le respect de l'objectif de réinsertion de la prison. Bien sûr, il y a des dispositions nouvelles, et notamment des dispositions de libération sous contrainte qui viennent d'entrer en vigueur au 1er janvier de cette année, c'est-à-dire qu'il y a juste un mois, dont on ne voit pas encore les effets, mais on peut s'attendre à ce que ces dispositions n'entrent pas en vigueur avec assez de force et avec un niveau suffisant pour réduire la population carcérale de manière durable.